Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Dans l'actualité de ce 14 mars en Poitou-Charentes, la campagne qui se rebiffe à Adrier dans le sud de la Vienne. Une des trois classes du village serait menacée. Les parents d'élèves ont bloqué ce matin l'entrée de l'école avec des chevaux et de la paille. Du nouveau dans le feuilleton de la LGV entre Poitiers et Limoges, les élus locaux en visite hier sur le tronçon Tours-Bordeaux ont reçu un courrier de l'Élysée. L'enquête d'utilité publique pourrait être lancée dès le mois de juin prochain. Et puis enfin, un sans faute pour Brian Joubert aux mondiaux de patinage à London au Canada. Le Poitevin termine 5e du programme court. Il reste en lice pour une place sur le podium. Un mot de sport avec ces images des championnats du monde de patinage artistique à London au Canada. Le Poitevin Brian Joubert s'est rassuré avec un programme court sans faute. Il est pour l'instant 5e et s'élancera donc avec les meilleurs lors du programme libre demain soir 22h45 heure française. Il peut encore prétendre à une place sur le podium.